דף למד א', עמוד א', חמש תבילות ועשרה קידושים טובל. On a dit dans la Mishnah que le Kohen Gadol, il faisait cinq tvilot le jour de Kippour. La première, c'était la tvila basique que tous les Kohen devaient faire avant de rentrer, servir au temple. Et puis, les autres quatre, c'est dans le travail du Beit HaMikdash. Et Asara Kiddushin, quand il enlève ses habits et il remet d'autres habits, les habits en or, les habits blancs, les habits en or, les habits blancs, il a besoin de faire Kiddush Yadayim, Veraglaim. Où était ce mikvé? Comme la Torah, elle a dit Verahat Bemakom Tahor à propos de Kippour, elle exige que le mikvé soit au Beit HaMikdash. Le mikvé des Kohanim n'était pas au Beit HaMikdash, c'était un avantage qu'ils ont fait, Bemakom Kadosh, qu'ils ont fait pour les Kohanim, pour qu'ils restent Bigdouja, etc. Mais l'obligation, elle figure dans la Torah à propos du travail de Kippour. Donc, quatre tvilotes de Kippour dans un mikvé qui était placé au Beit HaMikdash, sur le toit de Beit HaParva. Et puis les autres villes, et la première ville là, non, pas dans un Makom Kadosh. Mais c'est-à-dire qu'il y avait deux mikvés. Il y avait un mikvé qui était spécial pour Kippour. Mikvé spécifié pour le travail de Kippour. Alors la Gemara a dit, Tanu Rabbanan. Alors maintenant, on explique et vous allez voir des choses intéressantes. Tanu Rabbanan, Chamesh Tvilot, Vahasara Kiddushin, Tovel, Kohen Gadol, Umekadesh, Bobayom, Vekulam, Bakodesh, Bevet Aparva, Chutz Mirishona, Shaita Bachol, Al Gabe Sha'ar Amaim. Ou Betsad Lishkato Aïta. Amar Abaye, Shma Mina, En Aïtam, Gavoa Mikarka Azara, Esrim Veshalosh Amot. C'est quoi En Aïtam? Alors il faut savoir, le mont du temple, normalement, c'est l'endroit le plus haut à Jérusalem. C'est ce qu'on a l'habitude toujours de dire, Nahon. Il y a un endroit qui est plus haut, à Yerushalayim. Ah, c'est là, non? Non, il s'appelle Marayan. Aetam, en aetam. En, c'est toujours quand il y a de l'eau. En aetam, il est plus haut. Il est plus haut que le mont du temple. Oui, c'est ça. Mais où c'est? C'est à côté. Et David Hamelech, il voulait construire là-bas le temple à la base. Parce qu'il a dit Bet Hashem dans toutes les choses. Pourquoi il n'a pas construit là-bas? Parce qu'en réalité, il était un peu plus haut. Il voulait abandonner toute l'histoire du mont Moria, les deux frères qui se sont rencontrés, toute cette histoire. Qu'on la connaît, même l'endroit du sacrifice, parce qu'il a dit ça doit être comme qui est écrit dans la halakha dans Shulchan Aruch, que quand on fait une synagogue, elle doit être la plus haute de toute la ville. Donc il a dit, c'est Abraham Avinu Aramoria, et Naetam, c'est mieux, c'est plus haut. Pourquoi il a abandonné l'idée, il est parti finalement au mont du temple? Parce que quand il a vu le programme du partage de Moshe Rabbeinu, comment il a partagé Eretz Israël et la frontière qui passait entre Benyamin et Yehuda, il a vu que la frontière de Binyamin, elle rentre sur le mont du temple comme une petite queue comme ça, que le Kodesh à Kodesh doit être là-bas. Il a dit Ben Ketefav Shachem. D'abord, ça appartient à Binyamin et à En Etam, c'est Yehuda. Et il faut que le Beit HaMikdash soit réparti sur Yehuda et Binyamin. Et il a dit, il s'est appuyé sur le fait que c'est écrit Ketefav. Et l'épaule, elle est plus bas que la tête. Donc, Beit HaMikdash, il est au niveau des épaules. Ça veut dire on n'a pas besoin de faire le plus haut. Il a pris En Etam. Maintenant, c'est très intéressant. La Gemara Abaye, il comprend. Il est sûr que l'eau qu'on prend, qu'il y avait à Jérusalem, elle vient de cette source qui s'appelle Aetam. Pourquoi? D'après la loi en physique, Kelim Shlouvim, c'est quand tu as de l'eau en hauteur, ils arrivent à ce niveau. Vase communicant. Donc, ce vase communicant qui amène l'eau, Même les sources d'eau qu'il y a au Beit HaMikdash, même qu'il y a de l'eau, en fait, ils sont alimentés par cette source de En Aetam. Et Abaye, sans être en Eretz Israël, il dit Shma Amina, que si j'ai besoin de l'eau pour que le Kohen Gadol il monte sur l'étage, sur Beit HaParva, sur le toit de Beit HaParva, pour faire son mikvé, elle était 11 mètres et demi de hauteur du sol du Beit HaMikdash. Shma Amina, En Aetam, Gvoar, elle est minimum 23. Au moins 23 amot plus haute que Beit HaMikdash. Alors on va voir dans les jeux. Après on va voir. Qui ne remplissait pas l'eau d'une manière ou d'une autre. C'était une source plus ou moins naturelle. Nachon, Amar Abaye, Shma Amina, En Aetam Gavoa Mikarka Azara, Esrim Veshalosh Amot. Dites Nan, pourquoi?
כל הפתחים שהיו שם גובהם 20 אמה. ורוחבן 10 אמות, חוץ משל אולם, כי הייתה בוקו פיור. Toutes les portails, ils étaient 20 à 10 mètres de hauteur et leur largeur 5 mètres. Et bon, après la Gemara va dire qu'on ne calcule pas le plafond, on va voir tout de suite. Mais regardez, je veux que vous lisez, on va lire Rashi, vous allez voir Rashi un peu d'histoire. Rashi nous dit, En haetam, mimeno ba amat amaim lebet tvilat shahar amaim shel hachoma. Ou le fi einyan amikraot. Rashi, maintenant, il nous fait une analyse d'un scientifique, d'après ce qu'il a lu dans le texte. Rashi, hein. Toute la Bible. Maintenant, un homme qui habite à Troyes, d'accord ? Il habite à Troyes, il n'a jamais vu Israël. Il n'a même pas vu sur Google Earth. Il n'a rien vu. Et il nous explique comment ça se passe. Et c'est la réalité. Rashi dit que Mais Naftoah, c'est Lifta. C'est Bakhnissa Laïr, mais que Naftoah, que nous on appelle aujourd'hui Lifta, c'est pas ça. C'est pas ce que nous on appelle Lifta en bas. Parce que Naftoah, elle est plus bas que Aramoria. Ouais. Que Aramoria. Quoique. Si c'est quand tu rentres dans Jérusalem, en fait, ouais. Quand tu arrives si vous voyez, Tachanot Delek sur ouais, le côté, ouais, ouais. C'est ici. Mais Naftoah, un peu plus sur la. Vous voyez les deux stations d'essence quand ouais. On sort de Jérusalem. Si vous descendez un peu les stations d'essence, vous descendez en bas, il y a là-bas une super. Il y avait là-bas un village qui était très agressif contre les Juifs, qui s'appelait Lifta. En 48, ils se sont tous sauvés. Et l'ONU, elle a interdit de casser les maisons. Donc c'est resté abandonné. Il y a là-bas énormément d'arbres de figuier, de prunes, de sabra. Et il y a au milieu une piscine, un mayan, qui s'appelle Naftoah Lifta. C'est une des rares endroits qui est resté encore sauvage et on peut aller se baigner. Et en été, c'est super simple. Il y a plein de réserves. Ouais. Alors. Donc il y a l'eau, il y a un brésil. Et donc il dit, Shumayan Menaftoah Haamu Besefer Yoshua. Il y a ici une aga. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette aga? Cette aga, c'est des parenthèses. L'écouté Rachid. Hein? C'est pas l'écouté. Non. Tetvav. Ah, c'est le chapitre, pardon, excusez-moi, c'est le numéro du chapitre dans Yoshua. Shemisham Agyevul, Meshapea Aveyored, Le Mizrach ou le Maraveu Agyevul, Becholer et Israelveach, Milta de Abaye, Mishum de Amrinan Bizbahim, la Gemara est dit dans le traité Zbahim d'Afnum Dalet, que David Ameler Savour, le Mivne et le Betamigdash Ben Etam, Amar. Nirtebe pourtant, on descend un peu du niveau d'Irtiv ou Ben Ktevav Shachem. Les Chamin en Miné, Chehou Gavon Minakol, Velo Parish Menale, ou Parish Le Abaye Acha. Et Abaye, il a expliqué. C'est intéressant. Alors Rashi, il te dit que l'auteur de cette Dracha, dans Maseret Zvachim, il a dit que David Ameler voulait construire là-bas le Bet Amigdash. Pourquoi? Parce que c'est le plus haut. Et d'où il a tiré que c'est le plus haut? Avec les conditions de l'époque. Bah ouais, comment il a mesuré? Alors, il te dit, s'il y a de l'eau sur le ouais. Au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus haut. Ça nous aurait arrangé, il y aurait moins de caca. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, Betani avait rachat besaro b'maim b'me mikve. Elle veut prouver, kol besaro maim, chez kol goufor olé b'maim v'ka maim, amar al ama berum shalosh amot. Vous voulez faire un mikve kasher chez vous à la maison? Combien d'eau il faut remplir en centimètres cubes? Combien il faut? Alors rappelez-vous toujours, mikvé, ama al ama, une ama carrez, à la hauteur de 3 amot, c'est-à-dire un peu plus qu'une baignoire. Alors si on regarde. C'est le cachère pour les hommes. Cachère pour les hommes et pour les femmes. Ah mais tu peux pas faire de l'eau du robinet? Non, pas de l'eau du robinet, non. D'accord, non, mais quantité. Quantité d'eau. Quantité d'eau. Tu prends des glaçons. Ouais. Tu peux faire de l'eau du robinet quand? À quelles conditions? Qu'elle a congelé et qu'elle a dégelé, c'est considéré comme de l'eau de source. C'est-à-dire, si tu as envie de faire un mikvé kasher chez toi à la maison, tu prends ta douche, ta baignoire, si elle a une capacité, tu fermes bien,
tu fais fondre dedans de la glace. Que de la glace. Que de la glace. Et il en faut. Et d'après Rabbi Chaim Naï, il faut 400 litres. D'après Chazonis, il faut 700. C'est pas beaucoup, non? Comme, tu sais que 1 mètre cube, 1 mètre cube, 1 mètre en hauteur, 1 mètre carré, comme ça, de tous les sens, il fait 1000 litres. C'est des bouteilles d'eau. Oui, mais la glace, ça suffit. Dans un congélateur, dans un frigidaire, le frigidaire que tu achètes normalement, le frigidaire, la surface, ce qu'il y a dans le frigidaire, c'est 600 litres. C'est pas... C'est les khatrila. Les khatrila. On va d'ailleurs les khatrila, c'est comme ça qu'ils font à Elat. Les chambres à d'abord, je t'en fatigue, je t'ai fait. Oui. Pour le premier le premier, on peut le faire avec des glaçons sans avoir de l'eau de pluie. Sans avoir de l'eau de pluie. C'est comme ça, même en Israël, aujourd'hui, en Israël partout. On ne veut pas garder trop l'eau dans les cuvettes à côté du mikvé. En été, on a pour des problèmes d'hygiène, on évacue l'eau et on remplit avec de la glace. On nettoie et après on nettoie, on nettoie bien et on amène une machine avec des glaçons. Mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère, il a inventé quelque chose. C'est incroyable. Un jour, mon frère, il change à son fils la couche. Et il se rend compte que l'eau d'urine, qu'est-ce qu'ils font dans les sociétés, dans les couches, ils mettent un produit que dès qu'il touche le liquide, il devient comme un gel, comme du gélé. Mon frère, tout de suite, il a pensé, il étudiait le sujet du mikvé. Il a dit, pourquoi j'ai besoin de congeler? Du moment que l'eau, elle est dure, peu importe si elle est froide ou pas froide, c'est pas... Il a commandé ce produit. Et il s'avère qu'il suffit d'un verre comme ça pour rendre un mikvé entier gel. Et ils font qu'après 6 heures, 7 heures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour lui, il te dit, tu fais n'importe quel mikvé où tu veux. Tu veux rendre ta piscine mikvé, tu prends ce gel, tu mets dedans, tu mélanges bien. Tu attends qu'il devienne solide. Tu as un mikvé caché, après il va fondre doucement. Et tu as un mikvé caché. Il a amené, j'ai montré ça à Rav Amar, il est resté comme ça. Et donc lui, il voulait faire ça pour faciliter la tâche. Pour les mikvot, tu peux changer. Avec ça, on peut diminuer le niveau de bactéries et dans les mikvot à zéro. Parce que le problème dans les mikvot, c'est que des fois, l'eau elle reste. Il y a quelqu'un qui trempe, ça reste. Tu ne peux pas changer parce qu'ils ne veulent pas à chaque fois. Comment ils vont faire? Comment ils vont alimenter? Et là, tu peux toutes les semaines mettre ça. Et tu veux prendre une piscine. Tu vas à la piscine municipale. Tu veux la rendre cachère pour. Tu fais ça quand tu la remplis. La nuit, tu laisses. Le lendemain, même les femmes, elles peuvent venir tremper et tout. Normal. Il a validé le rabbin? Alors, il a amené ça. Il y a quelques rabbinim qui étaient d'accord avec lui. Il y a quelques autres qui étaient. Hésitant, mais l'idée elle est extraordinaire, l'idée elle est fabuleuse. Bon, alors maintenant on revient. Donc on a besoin amma berum shalosh amot, ça nous fait un mikvé kasher. Et donc qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il faisait le mikvé en hauteur. C'est très intéressant, c'est-à-dire la Gemara elle te dit que minimum qu'il faut, c'est qu'il faut shalosh amot. Pourquoi la Gemara elle a supposé que la hauteur du mikvé elle faisait 3 pour dire que N et Tam il est à 23? Peut-être le mikvé il était 1,5 et il était large. Bizarre. J'ai pas trop compris. Comme ça qu'ils construisaient les mikvot avant. Peut-être c'est compliqué de construire large que de construire profond, je pense. Non. Adraba, non, là c'est construit profond et pas large.
Oui, c'est ça ce que je dis. Peut-être. Mais pour tromper, c'est plus facile. N'importe quoi. Tromper oui. Large. Ah oui. Mais non, large. Non, au contraire, en hauteur. Non. Tu peux pas. Parce que regarde, si tu fais. Tu sais, c'est quoi un mât à main à la main, c'est 50 cm sur 50. Comment tu te courbes dans 50? Nous, on dépasse nous tous. Bon, à l'époque, leur hauteur, ils n'étaient pas haut de taille. D'une part, et même en plus petit. Non, c'est suffisant. Je pense qu'un mètre 50. 50 cm, c'est un carrelage et demi que tu vois ici sur le sol. 50 cm, c'est beaucoup. Nous, devant comme ça, là, on fait 20-30 maximum. Ça dépend, mais. Et puis bon, l'homme, quand il rentrait aussi dans le puits, il pouvait faire sortir l'homme quand il rentre dans l'eau, avec le volume qu'il prend. Il fait sortir ce minimum 100 litres. Pied, au niveau du pied, on peut descendre. Non, hein? C'est debout, c'est plus facile. Non. S'il allongé, il faut s'allonger comme ça. C'est facile de s'allonger. Il faut savoir qu'une femme au mikvé, ce n'est pas bien de tremper debout. Il faut qu'elle fait comme si elle descend flotter. Sur le sol pour faire une pompe. Et puis elle écarte ses pieds pour que l'eau non, elle rentre dans le corps. Et comment elle flotte si elle est allongée? Allongée, c'est encore plus difficile. Attends, j'ai vu ton imagination. Allongée, c'est encore plus difficile. C'est dans la C'est encore plus difficile d'allonger. C'est encore plus difficile. Si c'est 1m50 en longueur. Et non, pourquoi 1m50 en sur le sol, c'est beaucoup plus facile. En profondeur. En profondeur. 50. Sérieux? Non, c'est 50, c'est comme ça, 50. Non, tu rigoles ou quoi? C'est pourquoi 50 avec 50 et comment tu... Oui, c'est... Non, il a raison, parce que tu flottes. Ben oui. Alors, tu flottes, peut-être tu flottes que dans une rivière ou dans un lac, mais tu flottes pas dans un... Pas, là, c'est sûr. Et pas, c'est de pousser. Non, mais il a raison, ça revient au même. Que tu aies 50 en largeur quand tu es allongé ou 50 en hauteur, si tu rentres, c'est plus tu rentres. C'est facile de faire comme ça, de lever tes pieds un temps ou que de flotter. Pour avoir la place aussi pour lever tes genoux parce que c'est étroit. C'est très assez déjà 60 ans. Non, déjà 60. Tu ne peux pas le mettre comme ça. Tu les mets un peu au milieu. Bon. En tous les cas, la morale dit. Peut-être c'était une question de surface qui n'avait pas assez de place. Alors la Gemara, elle dit bon. Donc elle déduit de là que minimum, c'était un minimum de 1,5 m. Alors. Donc de là, la Gemara a dit il y a 20 du portail, il y a 3 de la hauteur du mikvé, ça fait 23. Donc je suis sûr que Hen et Tam, il est minimum. 23 amot, ce qui correspond à 11,5 m. Plus haut que le mont du temple. La Gemara va dire non, il est bien plus haut encore. Pourquoi? Parce qu'il y a le plafond. C'est vrai, tu as regardé le portail. Le portail, il arrivait jusqu'au plafond. C'était une pente qui se terminait au plafond. Mais le plafond aussi, combien d'épaisseur il faisait dans les plafonds à l'époque? Alors regardez, c'est intéressant combien de hauteur de plafond il faisait. Combien de hauteur de plafond à votre avis? À mon avis, ça devait être plus bas. Quelle hauteur de plafond il faisait? Quelle est l'épaisseur du plafond? À mon avis, très grand. Combien? Le staff, 30 cm. À mon avis, à l'époque du temple, de la Gemara, combien il faisait? Un ou deux amotes. Oui, il a fait mode. Deux amotes, c'est combien? Deux amotes. Il remplissait pourquoi? Pour éviter les nésilotes de Maïm. Regardez, là, il faire des structures de malade. Ouais, alors regardez. Des kamaen, ama alama berum shalosh emotosh. Des shi'aru chachamim, me mikve arba'im se'a. La Gemara dit, vea ika ama tikra, vea ama ma'aziva. L'épaisseur du plafond, elle faisait à l'époque 50 cm, plus encore 50 cm. Ma'aziva, c'est autre chose. Non, ma'aziva, c'est du tit. Oui, mais c'est pour le mikve. Non, ma'aziva. Oui, mais c'est un tit à mikve. Rachid dit, ça veut dire pour éviter que l'eau elle coule, il mettait encore un mètre. De toute façon, le plafond il faisait 50 cm minimum. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Aujourd'hui, le plafond il fait 20 cm, même pas. La question c'est comment ils construisaient. Comment ça tient? Ils construisaient en arche. Et c'était le seul moyen qui laissait que ça tombe pas. Oui, tu avais la voûte, tu avais la pierre de... Pourquoi il faisait ça? Pour ne pas que l'eau de puits, elle pénètre en bas. Et après, il mettait ici, il voulait mettre... Maintenant, pour ne pas que l'eau pénètre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets une truc de goudron, bidibande, et tu mets dessus l'eau. Eux, ils gardaient 50 cm encore 50 cm d'épaisseur pour éviter que ça coule en bas.
C'est pour ça que l'isolation à l'époque était bien meilleure qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait tellement chaud dans les derniers étages. Pourquoi ? Parce que les plafonds sont nuls. Tout passe. Tout passe. Non, il n'y a pas beaucoup de fuites en Israël. Je me rappelle comment j'étais comme Matzgag sur le toit. C'était invivable en été. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti, j'ai acheté un seau avec de la chaux. J'ai versé sur mon plafond et je passais comme ça pour que le blanc fait dégager le. Et ça s'est calmé. C'est descendu tout de suite de 5-6 degrés. C'est énorme. Tout plafond qui est noir, gris, qui accumule de la chaleur, il faut jeter du blanc dessus. Après, j'ai carrelé en blanc. C'est la réflexion. Alors bon, veimama aziva, shaharim de Bet HaMikdash, qui vend des shishaninu, bemashu avdela. Alors il dit, ça dépend. Quand les gens, il dit que même le plafond du Bet HaMikdash, il était en marbre. C'est incroyable. Plafond du Bet HaMikdash en marbre. Je ne sais pas comment il faisait ça. C'est comment tu peux tenir un plafond en marbre? Quand tu vois les fondations du Kotel avec les pierres, tu comprends leur capacité de construction. Mais le plafond du Bet HaMikdash était fait en marbre. Non, peut-être, tu sais quoi, peut-être que toute la hauteur, c'était du marbre. Tu prenais de la pierre de taille. Oui, mais comment tu fais? Comment elle tient? Comme une pierre normale. Oui, mais tu sais, une pierre, tu sais qu'elle avait une pierre pour tenir sur un plafond. Oui. Ou que les pierres étaient taillées, qu'elles rentraient une dans l'autre. C'est possible. Comme une sorte de Lego. On ne dit pas qu'il y avait des poutres ou un truc comme ça. Hein. Aucune poutre peut porter sur elle un poids si énorme, grand. C'est énorme. Quand vous voyez les pierres des fondations du côté en bas, elles montent à 135 tonnes, la pierre. Oui, c'est-à-dire c'est la taille d'un autobus, je me souviens. Il n'y a même pas une grue qui peut porter une pierre. Même un camion, il ne peut pas porter une chose pareille. C'est le même mystère que les pyramides. C'est nous qui avons construit les pyramides, non ? Oui, alors ils ne savent pas comment on les a amenés là-bas. Ils ne savent pas. Et en plus, c'est des pierres. Non, mais peut-être que c'était des petites plaques qui s'assemblaient, si tu veux. Peut-être. Qui s'assemblaient, et donc le poids. Mais on sait jusqu'aujourd'hui, on sait, c'est clair et net, que les pierres du Kotel en bas, ce ne sont pas des pierres locales. C'est pas la pierre de Jérusalem. C'est la pierre qui est arrivée du Liban. Ils avaient une technique. Mais comment tu amènes du Liban sur un bateau ? Comment tu charges ? Et il descend de Beyrouth, il descend, il arrive à Jaffa, et de Jaffa, il monte à Jérusalem. On ne sait pas. C'est un mystère. Même les Romains ne sont pas arrivés à les détruire. Quand on voit la grande pierre qui est en bas, elle est parfaite. En haut, elle est tout cassée un petit peu, parce qu'ils ont essayé de la détruire. Ils sont pas arrivés. D'ailleurs, on voit même plus que ça. On voit que même dans la pierre, ils ont gravé des carrés pour pouvoir enfoncer dedans des poutres et faire bouger pour faire tomber la fondation. Ils n'ont pas réussi. On voit que les Romains, ils ont gravé. Ils ont, et donc, on ne sait pas comment ils ont amené leur pierre. Non. Peut-être qu'il y a un chêne à la forage. Peut-être, on ne sait pas. Bon, Pansoulo Sadin chez le bout. On lui a mis un... En tous les cas, bon, ça c'était... Alors, le Gemara a dit... Alors, il dit... qui vend des chichaninu be machu avdele ou vaika ha ich machu qui vend de lo havai amta lo chashivle. Bon, il dit, mais c'est quand même quelque chose. La hauteur, il te dit, elle n'était pas tellement importante, donc elle n'est pas en la compte pas. Elle devait faire 10 cm, 12, mais c'est quand même, c'est énorme. Quand tu regardes le plafond du Bet HaMikdash, c'est grand. Non. Par sous Sadin Shelbutz. La Gemara a dit, pourquoi ils ont mis le boots, c'est du lin. Pourquoi ils ont fait un drap en lin? Alors la Gemara dit, pour rappeler au Kohen Gadol que tous les habits, que toute la avoda du Bet HaMikdash, elle se fait uniquement avec des habits en lin et pas avec des habits de laine, parce qu'il avait sa garderie, il avait une garderie, comment dire, garde-robe, pour ne pas qu'il prenne des habits de toute l'année. On voulait lui rappeler que c'est uniquement avec le lin. Pourquoi les habits du Bet HaMikdash, c'est en lin, de la Avodat de Yom Kippour. Le Zohar, il nous dit que c'est la réconciliation entre Caïn et Abel.
Caïn, quand il a sacrifié à Kadosh Baruch Hu, le premier sacrifice était du lin qu'il a brûlé. Il a fait une offrande de lin. Abel est venu, il a mis de la laine. Il a amené les moutons, la laine. Et ils se sont tués là-dessus sur la volonté d'Hachem. C'était la jalousie de Caïn qui a tué son frère. Depuis, on a l'interdiction du Shahatnez, le mélange de du lin avec de la laine. Le Beth Amikdash, c'est le seul endroit où on a envie de réconcilier entre ces deux forces. Et c'est pour ça que les Kohanim au Beth Amikdash, ils travaillaient avec des habits Shahatnez. L'un et l'aine. Même le tzitzit, il a cette qualité de réconciliation. C'est pour ça qu'un tzitzit de Horaïta, quand tu as la vraie trélette, on n'a pas encore on n'est pas certain, mais si on essaye de faire bon, mais si on a une, il n'y a pas de problème de qu'il aille dessus. Et le travail de Kippour, c'est on veut réparer même la plus grande faute d'un assassinat. Quand il a tué le premier, le grand meurtrier de l'histoire du monde. Il a tué 50% de la population. Non, pas 50, il a tué, si tu fais le compte, il a fait 25%. Ah oui. Ils étaient 4. Ça fait beaucoup. Oui. Hein. C'est le plus grand assassin. Ça veut dire qu'il a tué 25% de la population mondiale. Ça ferait combien aujourd'hui? On y a eu, il y a combien? Bah, ça ferait 2 milliards. 2 milliards, c'est bon. Pas mal. C'est Hitler et Staline et multiplié. Alors la Gemara dit que des Akir, Shavodot Hayom avec des bouts. Nouvelle Mishnah. Pashat Yarat Betaval, Alav Nistapad. Le Kohen, il descend dans le mikvé. Il se déshabille, il descend, il trempe, il monte. Et il s'essuie avec la serviette. Et vu l'obig des ahav ve la vache. Vekidesh, Yadav, Veraglav. Là, on rentre maintenant vraiment dans l'union de. On rentre dans l'union de Avodat Amikdash. Alors, on nous dit quand le Kohen Gadol il s'est vérifié, comme qui est écrit dans Seder Avoda. Badak et Goufo, Mihotete, Tevila. Oui, il a vérifié qu'il n'y a pas de. C'est comme une femme, Mamash, il vérifie qu'il n'y a pas de Khatitsa dans son corps, dans ses cheveux, dans sa barbe. Pachat. Je croyais qu'il ben oui, si, complètement. Non, la barbe, non. Il se rase la tête. La tête, ouais. Oui, mais la barbe, non. Et le reste du corps, non. Non. Il se rase la tête, les cheveux complètement. Ouais. Ouais. Oui. Mais pas se raser à ras. La Gemara dit que ils avaient une coupure de cheveux. La Gemara dit qu'il y avait un Kohen, il s'appelait Ben El, une coupe de cheveux dans Sanhedrin. Très particulière. En fait, ils allaient chez le coiffeur. Le Kohen Gadol, c'était les Kavod Ultif Eret. Il allait chez le coiffeur. Tous les 10 jours, le coiffeur, il lui faisait la coupe. Et il faisait d'une manière que chaque poil, elle penchait sur l'autre poil à la moitié, comme des tuiles. Mmh. Et il était toujours comme comme un mannequin. Ben El Haasa, c'était le top du top. Ouais, donc, il se... Donc, Michel Garnier. Ouais, ouais. Le roi, tous les jours... Tous les jours, il y a le coiffeur qui rentre chez le roi. Tous les jours, il y a le coiffeur qui rentre chez le roi et il vérifie que tout va bien. Ouais. Le roi, il avait une belle coupe de cheveux, presque comme celle de Bibi. Les cheveux roses. Vous savez combien il paye Bibi, il est chauve. Il n'est pas... Non, il est chauve. Et lui remonte pour lui faire... Et bon... Ça coûte une fortune, les PLP. Bon, c'est représentatif, c'est... Alors bon, la Mishnah nous dit, Pashat, Yarad, Vetaval, Ala, Venistapal, et Vioulo, Big Desahav, Velavash, on lui amène les habits en or. Les habits en or, ce sont les habits où tu sers que au Beth Amikdash dans les Avodot, chez Bachutz, tout ce qui est à l'extérieur. Qui lui amène les habits? Les Kohanim, ça veut dire qu'ils lui amènent sur un plateau. Ils sont obligés d'être théoriques aussi, gars. Oui, tout. C'est Kippour. Et vi oulo, big desahav et la vache. Vekidesh, yadav et raglav. Dès qu'il porte les habits, on va voir après, il y a un débat entre Rabbi Meir et Chachamim, comment on fait le kiddush yadav et raglav. Mais on lui amène dans tous les cas, ça c'est d'après Chachamim, notre Mishnah. Et vi oulo, big desahav et la vache. Vekidesh, yadav et raglav. Et vi oulo et tatamid. On lui amène le korban à tamid. Vekiratso. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend
Le Kohen Gadol, c'est fou. Le Kohen Gadol, lui, il doit faire tous les travaux du Betamikdash. Alors, il égorge d'un côté. Mais de l'autre part, il a besoin, lui aussi, de récupérer le sang. De récupérer le sang du Korban et de le mettre dans le récipient pour recevoir et pour aller l'asperger sur le Misbéar. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a besoin, lui, d'égorger et en même temps récupérer le sang. Tu ne peux pas. Si tu attrapes le cou avec ta main et tu fais passer le couteau, comment tu récupères? Qu'est-ce qu'il faisait? Les spécialistes, le Kohen Gadol, il prenait l'animal, il tirait les veines, il faisait une coupure comme ça qui lui coupait la majorité de la veine, et tout de suite, il y a un Kohen qui reprend la relève et qui continue, et lui, il prend le récipient, il y a quelqu'un qui lui donne le récipient, et il récupère le sang pour avoir la main libre. Pour récupérer. Ouais. Donc, ça s'appelle Keratso. Il a fait la avoda Medouyeket, exactement la quantité. Il faut savoir que s'il loupe une chose, il a rendu pas sous le korban. Donc, ça, c'est le tamid du Keratso. Umirek, acharj umirek. Umirek, c'est il a fini le maasé, il finit. Ensuite, quand il est mémarek, le Kohen, il prend une sorte d'entonnoir, un entonnoir en or, qui est fermé en bas. Il récupère le sang. Et après, il va. Alors, il le jette sur le misbéar. Nichnas le actir que Toret Shel Shahar. Après, alors le Tamid Shel Shahar, il est dehors. Il est sur l'autel. Korban Tamid. Qu'est-ce qu'il fait? Après, il rentre à l'intérieur dans le Echal. Il met la Ketoret du matin. L'encensoir, c'est dans le Echal. Ensuite, où les Etiv et Anerot, il fait tout de suite après, il allume la menorah. Oulé Akri Veta Roche, Veta Evarim, Veta Chavitin. Dès qu'il a fini ça, il sort dehors, il récupère la tête du Korban Atamid et les membres, et il est sacrifié. Veta Yain, il verse dessus de l'eau. Le vin. Ktoret Shel Shahar, Aïta Kireva, Ben Dam, Le Evarim. La Ktoret du matin, on la met dans l'encensoir entre le moment où on a versé le sang, ouais, et le moment où on brûle les varim. Et le moment où on brûle les varim. Il rentre, il allume, il met l'encensoir, il allume la menorah, et ensuite. Mais c'est un céder à voudrer, il fallait pas. Bien sûr. C'est tout un céder. Il apprenait ça des jours, 7 jours, il quittait la maison pour être là-dessus. Kireva ben dam l'evarim chez ben arbaim. Ben evarim. Maintenant, c'est Ben Arbaim, par contre, Ben Arbaim, c'est le contraire. C'est Ben Evarim, l'Insachim. Imaya Kohen Gadol Zaken ou Istenis. Si le Kohen Gadol était vieux, on gâtait. Qu'est-ce qu'on lui faisait? Mehamin lo hamin, ou matilin le tochatsonen, kede chez ta figue tinatam. On lui chauffait de l'eau qui pour, et on lui mélangeait dans le mikvé pour ne pas qu'il ait trop froid. Qui n'est pas trop fort. Le Kohen Gadol. Il faut savoir qu'à la base, je rentre maintenant dans la roue de Nida pour que. Il faut savoir que jamais on avait le droit de se baigner, faire un mikvé dans de l'eau chaude. Le mikvé à la base, Minadin, il était que au froid. Pourquoi? Chachamim, ils ont fait une gzera. Gzerat merchatsaot. Parce qu'à l'époque, c'était très fréquent, les hammams partout. Alors il y avait dans le hammam, il y avait un puits avec de l'eau froide où tu rentrais, tu faisais ta tefila. Et les femmes, elles n'allaient pas à l'école, elles ne comprenaient pas. Il fait hiver. Elle va au hammam, elle dit à son mari, j'étais au mikvé. Elle n'allait pas au mikvé. Oh. Trop froide. Pourquoi Khachamim, ils ont fait ça? Pour ne pas que les gens y confondent le mikvé avec le bain du hammam. Oui, mais il y avait une sakanat nefesh aussi. Mais justement, le mikvé en Pologne. Il a fait. Alors, pour ça, Rabbi Elazar, l'arrière-grand-mère de ma femme, elle est partie au mikvé. Elle est rentrée à la maison, elle a pris une pneumonie. 2 jours, elle est morte. Wow. 31 ans. C'est une idée. Non, mais là, il faut pas faire. 31 ans. Il ne faut pas faire mikvé. C'est comme Shabbat. Non, en Turquie. Il ne faut pas faire mikvé alors. Alors les rabbanim, qu'est-ce qu'ils ont fait justement? Quand ils voyaient ça, quand ils ont vu ça, déjà il y a 300 ans, ils se sont mis tous ensemble. Le premier, c'était Rabbi Yoshiao Pinto. Le premier.
et Rabbi Elazar ben Arha de Hébron, ils ont écrit un psak. On peut chauffer les mikvés pour les femmes en hiver. Tellement les femmes, elles avaient peur d'aller au mikvé quand il faisait froid, qu'en Pologne, à Cracovie, c'était encore froid à l'époque, il y avait une coutume que le gabaï de la synagogue, toujours, c'est sa femme qui s'occupe du mikvé. Et sa femme, elle vient, lui donne la liste des femmes qui sont venues au mikvé le soir. Et quand il voit le mari à la synagogue, il vient et lui donne la main et lui dit « Mazal tov ». Le Rama, quand il est venu être Rav de Cracovie, il est venu jeune. Il a dit « Oh, que c'est moche, que c'est moche cette coutume !» La femme, elle va au mikvé, le lendemain, tout le monde, sait. Il vient, il lui donne la main devant tout le monde. Il a dit « On arrête !» Il n'y a plus ça. Il a dit, il a appelé tous les gabaïs des synagogues, et parce que dans les synagogues, il y avait des mikvés. Il a dit « Je vous interdis pour la dignité des gens. » Vous ne dites pas ça. Deux semaines après, on vient lui dire, les femmes, elles ne vont pas au mikvé. Les femmes n'allaient pas au mikvé. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles sortaient de la maison, elles faisaient froid. Elles faisaient un petit tour. Elles faisaient un tour, elles mouillaient les cheveux. Elles rentraient à la maison. Alors, de là est venu, quand ils ont vu tout ça, ils ont dit, on fait le mikvé chaud, et les femmes, elles vont dans les mikvé chaud. Dans les pays séfarades, ça n'a jamais existé. Non. Au Maroc, il n'y avait pas un mikvé chauffé, il faut savoir. Au Maroc, jusqu'au moment où les Français sont venus, il n'y avait pas de mikvé chaud. Les femmes, elles ne savaient même pas nager, les pauvres. Elles allaient dans les fleuves avec des amis. Elles rentraient. Il y avait des femmes qui mouraient, qui se perdaient dans l'eau, des trucs. Incroyable. Au Maroc, il n'y avait pas de mikvé chaud. Jusqu'en 1940, il n'y avait pas un mikvé chaud dans le Maroc entier. C'est fou. Il faut leur raconter ça aux femmes. Elles allaient de Messirut Nefesh, elles faisaient mikvé. Elles allaient de Messirut Nefesh. Ouais, mais. Ok. Bon, Narod, c'est plus quoi? Dans les communautés ashkénazes, ils ont commencé il y a 200-300 ans. Dans les communautés, il y a 200-300 ans. Et chez les séfarades, non. C'est que maintenant. C'est que maintenant que ça a commencé. Bah, où rachète le mikvé? Parce que les femmes sont plus mécanotes d'avant. Moi, à la limite, s'il y a un vrai danger pour la personne. Qu'est-ce que ça veut dire un vrai danger? Tu te baignes? Attends. En Russie, les gens, ils se baignent. Il n'y a pas là. Elle ne sait pas nager. Il n'y a que cet endroit. C'est quelqu'un qui ne sait pas nager. Alors, je te dis. Féina Lachad, on ne fait plus de mikvé. Rav Moshe Feinstein, avant d'avoir son permis de rentrer aux États-Unis, il était 4 ans dans une ville où il n'y avait pas de mikvé et il n'y avait pas de fleuve. Il n'a pas approché sa femme 4 ans. Il y a une histoire véridique en 88. En 88, on va finir avec une belle histoire. 88. Il y a les Russes qui viennent en Israël. 88. L'année 90, il y a un certain Russe, il meurt à l'hôpital, il n'a pas de famille, rien du tout. Et la femme, elle appelle la Hevra Kadisha à Jérusalem, elle leur dit, il y a ici un met mitzvah, un mort. Il n'y a personne pour l'accompagner. Donc, il rentre dans une synagogue, il demande un million de personnes pour lui faire son dernier kavod. Et avant de... Donc, ils le prennent, très simple. La femme, elle ne parle pas un mot. Et ils font le kaddish. Et la femme, elle arrête ce qu'il faut. Elle dit, je veux dire quelques mots en yiddish. Et elle dit à son mari, comme ça, elle lui parle. Elle dit, tu sais... On aurait pu avoir des enfants pour faire Kaddish pour toi, pour t'accompagner. Mais c'était ta volonté. On habitait dans un endroit où il n'y avait pas de mikvé. Non. Et tu m'as dit, il n'y a pas de mikvé, il n'y a rien entre nous. Il a vécu avec sa femme 50 ans sans la toucher. Non, mais non. Non. Parce qu'il n'avait pas de mikvé. Il s'est marié. Il s'est marié et les communistes ont détruit le mikvé de la ville. Et il n'y avait pas où aller, ce n'était pas un érudit en droit, il ne savait pas exactement. Il a dit à sa femme, si tu ne vas pas au mikvé, il n'y a pas de truc. Et les gens, ils vont à Yerushalayim. Non, mais tu crois, ça tombe. Mais attends, mais oui. Les gens, ils vont prier sur cette tombe de ce monsieur russe. Et ils ont des délivrances extraordinaires, il paraît. Ils ont des... Ouais, il avait une autre mission. Ouais, il a une mission. Il a toute sa vie...
Alors que ces paroles de Torah soient avec l'unishmat, arav, chayben belara, ruan, hadonai, te lichayno beganed, yamino beganed, no verhune, sa la charmine, no verhune, la rahamine, la zdechad, yachani, ratoni, no maramente, yamino beganed, no verhune, sa la charmine, 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 no verhune, s